Mes impressions, c'est que c'est un très très beau colloque, à la fois par la diversité des thèmes traités et des intervenants. De voir que ces sujets sur la gouvernance, sur l'éthique dans les entreprises, dans les États, en règle générale, sont une préoccupation au fond qui transcende largement les frontières et qui nous réunissent avec des réflexions parfois différentes mais toujours complémentaires, c'était vraiment passionnant. J'ai trouvé que les étudiants étaient très concernés et beaucoup dans un questionnement fin, très prospectif, très tourné vers l'avenir. Et je trouve que c'est un signe fort et très encourageant pour le Liban et pour l'économie libanaise aussi, puisqu'ils contribueront à la forger dans l'avenir. Moi, je dirais qu'ils pensent que l'important, c'est d'avoir une éthique personnelle et d'appliquer sous forme d'une déontologie dans son activité professionnelle. C'est vrai que le mot éthique éclipse souvent celui de déontologie du fait notamment de la multiplicité des langues employées, mais je crois que les deux notions ont pleinement leur place et sont centrales. Je crois aussi que les étudiants de la génération actuelle sont beaucoup plus sensibles à ces notions-là que ceux des générations précédentes.